Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez tous, je crois, puisque vous me l'avez demandé. C'est la vidéo de mes cadeaux d'anniversaire. Voilà, je vous la tourne enfin, il serait peut-être temps, enfin. Mais j'attendais d'avoir une luminosité assez correcte, entre guillemets, pour vous la faire. Parce que bon, toujours mieux d'avoir un petit peu de soleil que d'avoir de la pluie, hein, forcément. Donc du coup, voilà, c'est parti. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu. Donc je commence avec la première petite chose que j'ai dans la main. C'est ce petit bracelet, je sais pas si vous allez voir, guess, s'il veut me faire la mise au point, ça va être pénible à vous montrer, des petits trucs comme ça, c'est chiant. Ah là, il l'a fait la mise au point. Alors, si je vous montre à l'envers, ça va pas aller. Normalement comme ça, vous voyez mieux voir. Voilà, on va y arriver. Donc voilà, c'est ce petit bracelet Guess, il est juste trop trop beau. À la base, c'est pas celui-là que j'avais vu, mais je pense que le chat n'a pas dû avoir le modèle que j'avais mis, mais celui-là est très très beau, je l'aime beaucoup. Donc je vais mettre ça derrière, moi, comme ça. Ensuite, ma belle-sœur et mon beau-frère m'ont offert cette immense règle. Ah oui, c'est une règle, c'est très bizarre. C'est une règle patchwork pour la couture. C'est vraiment pas donné ce genre de règles et c'est vraiment très très bien. C'est pour tracer les patrons, les gabarits, des trucs comme ça, c'est très bien ça. Donc du coup voilà, j'ai eu ça avec une enveloppe, voilà, avec une petite enveloppe avec. Donc voilà, c'était juste parfait, je suis trop contente. C'est vrai que ça manque ça quand, enfin moi j'ai une règle 30 cm donc triple décimètre quoi, voilà. Et ça devient vite juste, c'est une règle d'écolière donc c'est pas vraiment très très... très très pratique. Ensuite, pendant qu'on est encore dans la couture, j'ai eu ces deux livres. Oh, il est déjà un petit peu abîmé. Bref, c'est pas grave. Et ben voilà, fais tout tomber. Donc j'ai eu celui-ci. Il est juste très 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 bien. Il y a plein de choses que j'aime d'amour. Voilà, vous avez plein de petites choses comme ceci. Voilà. Ma belle-sœur a exactement le même. Hop là, voilà. Ma belle-sœur a exactement le même et du coup, je le voulais pour moi, pour pas devoir lui emprunter. Et voilà, donc du coup, j'ai eu celui-ci. Et j'ai également eu celui-ci. Simple comme couture. Donc il y a 23 projets. C'est des petits projets faciles. Et j'ai déjà mis des post-it sur tout ce que je voulais faire. Donc il y a les trois quarts du livre. Hein. Et une bonne petite couche de... donc c'est celui-ci. Voilà, avec les coussins, nuages, etc., etc., les petites bouillottes, les petits paniers. Enfin, c'est vraiment des choses qui m'intéressent énormément de faire, donc du coup, je suis trop contente. Ensuite, en restant dans le livre, carnet, etc., j'ai une petite passion secrète, on va dire, voilà, un petit projet secret, enfin, qui n'est plus secret puisque je vous le montre, mais j'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup écrire des histoires, des choses comme ça. Et j'ai trouvé deux petits carnets pour aider justement à l'écriture. Donc c'est ceci. Voilà, donc il y a écriture et il y a manuscrit. Je ne vous montrerai pas l'intérieur de celui-ci puisque j'ai déjà commencé et que eh ben, ça ne concerne que moi pour l'instant. Quand je voudrais montrer ce que j'ai écrit, je le montrerai. Pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Donc du coup, j'ai déjà commencé. C'est vraiment des carnets qui sont très bien. Si jamais je retrouve le lien, je vous le mets en barre d'infos. Je sais que je les ai vus sur Amazon, il me semble. Tout comme les livres viennent d'Amazon aussi. Si je retrouve les liens des choses, je vous les remets en barre d'infos. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, j'ai demandé un petit peu de DVD. Donc, j'ai tout d'abord eu le film Le Jeu. Ça faisait un moment que je voulais le voir. Vous savez, c'est les amis qui se retrouvent pour une soirée et qui mettent leur téléphone sur la table et ils découvrent tout, pas mal de secrets. Et je l'ai trouvé vraiment très bien. Il est drôle et à la fois la morale est pas si mal que ça, donc j'aime beaucoup. C'est le premier que j'ai regardé, je me suis empressée de le voir. Ensuite, j'ai eu Les Animaux Fantastiques. Oui, je ne l'ai jamais vu, pourtant moi qui suis fan d'Harry Potter, celui-ci je ne l'ai jamais regardé. Donc j'ai hâte de le voir, il est encore emballé. Donc je pense qu'on se le fera un dimanche quand on restera à la maison. Ensuite, j'ai eu également Hurricane. Donc c'est un film un peu catastrophe, donc ça mélange un peu tornade et braquage, etc. Donc j'ai hâte de le voir, j'aime beaucoup ce genre de film.
Et dans la catégorie catastrophe, j'ai demandé ce coffret-là. Donc, il y en avait plusieurs. Hein. La personne a choisi celui-ci. Donc, il y a Collider, Tunnel et Subwave. Tout simplement, voilà, des catastrophes. Dans les tunnels, celui-ci, je l'ai déjà vu, Collider. Je suis pas spécialement fan de celui-là. Je ne connaissais pas du tout, hein, quand j'ai demandé les coffrets. Généralement, les coffrets comme ça, c'est je ne connais pas du tout et je découvre. Mais honnêtement, Collider, je suis un petit peu déçue. Après, à voir les autres, on verra bien. Voilà. Ça, c'était pour les films. Et j'ai également eu une saison de Profilage que j'ai laissé au salon. Donc, du coup, voilà. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. De la part de mon frère, j'ai eu donc, ce coffret Nocibé. Mais ce n'est pas un coffret de soin. D'ailleurs, le coffret sont super bons. J'ai eu une petite carte cadeau. Et avec, il était trop mignon, un petit mascara. Donc, c'est le volume et définition Sensation Eyes Mascara de chez Nocibé. Donc voilà, j'ai hâte de le tester celui-là. En tout cas, la boîte, elle sent juste trop bon. Elle sent trop bon. J'aime bien les boîtes comme ça qui viennent de chez Rocher. Généralement, leur contenant sent le parfum et tout, j'aime beaucoup. Et ensuite, pour finir avec mon anniversaire. Ah non, il y a encore des petites choses. Donc j'ai eu des sous-sous. Voilà. Et j'ai eu des cartes cadeaux pour Kiabi. Voilà, des cartes comme ça pour aller chez Kiabi. Donc j'en ai eu 4 je crois de montants différents, hein. C'est pas tous les mêmes montants. Donc du coup je vais pouvoir aller m'acheter un petit peu des habits pour le printemps. Donc voilà, c'était la vidéo de mes cadeaux d'anniversaire. C'est tout ce que j'ai, enfin c'est tout ce que j'ai. J'ai déjà eu pas mal de choses, j'ai été pas mal gâtée. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous. Bisous.